Bonjour et bienvenue. Hello, Nathalie. Hello, Ali. Thank you very much. Thank you. Welcome, bienvenue. So, bienvenue à tout le monde et bienvenue à toi, Ali. Merci beaucoup d'être là, de nous aider. Et merci beaucoup à tous d'être là pour tout simplement pratiquer ensemble. Ce sera donc la troisième fois et ce sera donc aujourd'hui le troisième volet de comment être en harmonie avec votre source de vie. Le premier volet, c'était tout simplement le centre de tenir le centre de la paume. Le deuxième volet, nous nous sommes servis de deux verrous de sauvegarde de l'énergie, 14 et 19. Et aujourd'hui, nous allons tout simplement tenir un doigt. Alors, je vais vous montrer. Voilà. L'introduction. Ce sera donc de tenir l'annulaire gauche. Si vous avez envie, bien sûr, de tenir votre annulaire droit, vous avez tout à fait cette possibilité. Vraiment, vous choisissez, je dirais, le côté qui vous paraît le mieux. Et à tout moment, quel que soit le côté, vous pouvez bien sûr changer de côté et tenir donc l'annulaire opposé. Personnellement, je vais tenir pendant cette méditation, cette aide à soi-même, pendant ces 20 minutes, mon annulaire gauche. Mais je répète, si vous avez plutôt envie de tenir votre annulaire droit, tenez votre annulaire droit. Et si à un moment donné, vous voulez changer de côté, vous changez de côté. Voilà. Donc, l'annulaire nous permet d'être en harmonie avec notre source de vie. Donc, en tenant votre annulaire, vous êtes en harmonie avec votre source de vie. Alors, prenez une position qui vous paraît donc la plus confortable, la plus simple, sans effort. D'être bien assis ou d'être bien allongé ou d'être bien debout. En tous les cas, une position qui vous est naturelle, sans effort. De ne pas essayer de vous tenir droit, de ne pas essayer simplement d'être dans la position juste. Juste dans ce moment. En tenant votre annulaire, vous tenez tout simplement. Vous n'avez pas besoin de le masser, pas besoin d'appuyer, pas besoin non plus de le frotter. Simplement de le tenir. Vous pouvez fermer les yeux. Et vous respirez à votre rythme. Vous respirez par la bouche, par le nez, ce qui est le plus simple pour vous. Vous ne ralentissez pas votre respiration, vous ne forcez rien. La même chose pour vos pensées. Vous pensez à ce que vous voulez. Libre cours à vos pensées. Vous n'essayez pas de les contrôler, vous n'essayez surtout pas de faire le vide. Vous êtes tel que vous êtes. Simplement tenir son annulaire.
Si cela est facile pour vous, vous pouvez imaginer, vous pouvez sentir votre respiration. Sentir votre respiration à l'extérieur de vous-même ou à l'intérieur de vous-même. Sentir le mouvement de votre respiration, le mouvement de l'expiration et le mouvement de l'inspiration. D'imaginer par exemple votre expiration de la tête jusqu'aux orteils et votre inspiration des orteils jusqu'à la tête. Ce mouvement de haut en bas et de bas en haut. Chaque respiration est unique. Chaque expiration, chaque inspiration est unique. En expirant, cela permet tout simplement de se défaire, de se décharger de la saleté, de la poussière et de la crasse. C'est-à-dire de se défaire de ce dont nous n'avons pas besoin ou plus besoin, de se désencombrer. L'inspiration, nous allons la recevoir. Nous allons recevoir ce nouveau souffle purifié. Lorsque je pratique sur moi, j'aime bien commencer justement par être d'abord cette expiration unique et être cette inspiration unique. De faire de la place pour recevoir ce nouveau souffle purifié. Tenir son annulaire, c'est prendre conscience de sa respiration, du mouvement de la respiration dans son être, du mouvement de son être dans l'univers, du mouvement de l'univers dans son être. Tenir l'annulaire, c'est se relier. C'est se relier à notre source de vie, à votre source de vie. C'est relier votre source de vie à une plus grande source, à cette source universelle. Cette source universelle qui est illimitée. Chaque expiration va vous permettre
de vous désencombrer, de vous défaire de ce dont vous n'avez plus besoin, pour vous permettre tout simplement de vous construire, de vous amener à une meilleure compréhension de vous-même, à une meilleure compréhension du monde, c'est-à-dire à une meilleure connaissance de vous-même, se construire. L'expiration, c'est de transformer la non-forme en forme, c'est de permettre à l'invisible de devenir visible. Cette expiration va tout simplement nous permettre de nous construire, c'est-à-dire de nous incarner, de prendre forme, de prendre chair. Cette expiration va nous générer, va nous mettre en mouvement, va nous permettre d'avoir une meilleure compréhension de nous-mêmes, une meilleure connaissance de nous-mêmes. S'incarner, expirer de la tête jusqu'aux orteils, c'est permettre tout simplement de s'enraciner, de nourrir vos racines, pour que vos racines soient de plus en plus longues, de plus en plus profondes. Tenir l'annulaire, c'est se relier à une plus grande source. C'est tout simplement se permettre de s'éveiller, de s'émerveiller, de s'enthousiasmer à chaque instant de votre vie, à chaque moment de votre vie. Chaque expiration vous permet une nouvelle naissance. Une nouvelle naissance à soi-même. Chaque expiration va vous permettre d'accéder à un royaume inconnu, un royaume invisible, à votre propre royaume, où tout est point. Le royaume qui contient ce que vous êtes. Ce que vous êtes sans effort, sans inquiétude, sans peur, sans frustration. Ce que vous êtes réellement. Se construire grâce à l'expiration. Prendre conscience de sa respiration, c'est tout simplement se mettre en mouvement, vivre, vivre soi. Accéder à ce royaume invisible qui contient tout, ce royaume qui contient votre être. Tenir l'annulaire, c'est justement être nourri, nourrir ses racines et les racines qui vont nous nourrir. C'est permettre justement d'accéder
à cet astre lunaire, que cet astre lunaire puisse éclairer notre chemin afin que ce chemin devienne votre voie, plus simplement la voie. Cet astre lunaire qui est justement la lune, notre miroir. Cette lumière qui éclaire ce royaume, votre royaume. Accéder à ce royaume, c'est tout simplement accéder à ce qui n'est pas visible et qui devient visible. L'expiration vous construit, l'inspiration va vous reconstruire, une renaissance. C'est tout simplement cette inspiration nous permet, vous permet de recevoir ce dont vous avez besoin, tout ce dont vous avez besoin, tout ce qui est essentiel à votre vie. Cette inspiration des orteils jusqu'à la tête, cette inspiration qui part de ses racines fortes et profondes vont nourrir tout votre être, vont permettre à votre être de devenir fort, de devenir souple, de pouvoir se lever, de pouvoir s'élever, de pouvoir grandir. Toute l'expiration qui apporte cette compréhension, l'inspiration va le transformer en sagesse. Cette inspiration nous parle de force vitale et de force vitale parfaite, de recevoir cette abondance de vie. C'est l'univers qui va éclairer votre chemin dans cette inspiration. Chaque étoile qui va éclairer ce chemin pour devenir la voie. De s'élever vers une plus grande forme, une plus grande source. Un plus grand souffle. Tenir l'annulaire, c'est se permettre justement d'ouvrir son cœur, de calmer son cœur, d'ouvrir cette respiration à de plus grands paysages. C'est se permettre tout en étant relié à vivre ce qu'on est. Tenir son annulaire, c'est se nourrir. C'est
C'est se nourrir de ce souffle, de cette respiration unique, se nourrir pleinement de chaque instant de notre vie. Tenir son annulaire, c'est tout simplement se fondre dans l'univers. Nous sommes poussière d'étoiles. Nous faisons partie de ce grand tout. Tenir son annulaire, c'est qu'il n'y ait aucune séparation entre soi et les autres. C'est d'être dans le même souffle, dans la même respiration que l'univers, dans la même vibration que les étoiles. Vous avez l'univers en vous-même. Le Jin Shin Jutsu vous permet d'accéder à ce royaume. À ce royaume universel. Déjà, prenez conscience de votre état d'être. Prenez conscience justement de votre état d'être, c'est-à-dire de votre respiration. Cette respiration en Jin Shin Jutsu, elle va se transformer au fur et à mesure de votre pratique. C'est d'être tel que vous êtes et par exemple de vous tenir l'annulaire. Et au fur et à mesure de cette harmonisation, il y a une transformation. Cette transformation, au-delà de vos pensées, au-delà d'autres choses déjà, vous pouvez la voir dans votre respiration. En quelques minutes, vous pouvez remarquer que votre respiration s'est transformée, a changé, est devenue sûrement plus longue, plus profonde. Qu'il y a quelque chose en vous qui vibre différemment, quelque chose de tranquille, quelque chose de calme. Quelque chose d'une certaine façon où le temps a disparu,
où l'espace disparaît. On est à un certain niveau vibratoire où on a tout à fait conscience de soi. Cela arrive à chaque fois que l'on pratique sur soi, une fois, plusieurs fois pendant les pratiques. Cette expiration qui va jusqu'au bout des orteils et cette inspiration qui commence aux orteils jusqu'au sommet du crâne. Ce mouvement, comme ce mouvement de vague. Et au bout des orteils, au bout du gros orteil, vous avez cette expiration qui devient cette inspiration. Et entre l'expire et l'inspire, il y a un moment de plénitude. Ce moment où il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps. Au Japon, les Japonais parlent du ma, M-A. Ce ma sans temps, sans espace, peut-être que justement, au bout de cette expiration, j'aime commencer par expirer et ensuite inspirer. Et là, il y a cette bulle. Cet instant de plénitude ou aussi cet instant de guérison. Jiro Murai disait que la respiration est la guérison ultime et peut-être que justement cette guérison avec un G majuscule se passe dans ce moment où il n'y a ni expire ni inspire, où justement il y a ce vide rempli de cette énergie de l'univers. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci d'être là. Merci d'être revenu. Et merci beaucoup à les d'être là. Et merci à tous. Ce moment a été pour moi intense. À toi, allez. Je ne t'entends pas. Okay. Alors, thank you so much. Okay. So, obrigada. See you next time. Obrigado. Yes. Até a próxima. Bye bye.